Et bonjour à tous, c'est Dayu et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo sur Hearthstone. Et oui, j'avais dit Duel of Champions, mais je me suis ravisé, je me suis dit qu'un peu de Hearthstone, ça va faire du bien. Voilà, je vais me taper quelques parties en normal, on va partir tout de suite, on va pas se prendre la tête. Parce que vous voyez, en classé, je suis à niveau 20, enfin, niveau 20. Je suis en 20, donc pour être franc avec vous, j'ai rien fait. Voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait quelques parties. Et voilà, donc on va partir en normal, on va pas se prendre la tête. Et je vais prendre le voleur, mon petit voleur. Alors, j'ai très peu de cartes, voilà. Donc Hearthstone, c'est un jeu qui me plaît énormément, j'adore ce jeu. Je suis en train un peu de m'y mettre vraiment, donc je commence à me faire un peu de cartes, mais je suis très loin d'avoir les premières légendaires ou quelques épiques. Non, je suis vraiment très loin. J'ai du mal à me faire un peu de gold et donc voilà, je suis pas encore à faire des arènes correctes, on va dire. Je suis encore loin de tout ça, mais j'en connais assez pour m'amuser et pour faire quelques parties sympas. Voilà, tout simplement. Donc, on est parti. Voleur, druide, ok. Berbin. Alors, regardons ce qu'on peut avoir contre un druide. Putain, hein, ça c'est chiant ça. J'aime bien jouer en deuxième avec la pièce, avec le voleur, c'est toujours sympa. Vu que j'ai quelques combos à faire, c'est toujours intéressant. Par contre, là, je vais peut-être vous baisser un peu la musique. C'est peut-être un peu fort. Voilà, on va mettre ça comme ça. Alors, bon, bah là, j'ai strictement rien à faire. Eh, poli, hein. Tout le plaisir est pour moi. Donc on va voir druide. C'est pas facile à jouer ça, druide. Ok, une petite archère elfe. Ça a gros direct, ok. Putain, j'ai rien, c'est infâme ça. Ah, je vais pas backstab. Ça je vais me le faire, regardez. Je vais faire ça, je vais pas trop me prendre la tête. Et au tour prochain, il y a moyen. Est-ce que j'aurais pu Chris? Pour Chris, une archère, ça me fait chier quand même. Je préfère le garder pour. Voilà, lui il fait son pouvoir, ok. Il fait rien, ok. Donc je vais mettre mon dragon féerique. Histoire d'avoir. Voilà. Hop, je vais faire ça. Ça va être très bien. Je vais lui péter son armor. J'aurais pas besoin de Madag tout de suite. Bon, j'ai mon défenseur d'Argus, ça peut toujours faire le taf. J'ai pas d'autres créatures là, donc il est pas optimisé. Je vais plutôt le garder, je vais attendre d'avoir quelques trucs en plus. Et j'ai un Brissor, au cas où s'il y a un gros silence qui sort. Un gros toon qui sort, ça peut faire la diff. Alors là, voyons voir. Bon bah là, clairement, regardez ça, on va pas le laisser. Backstab direct. Ah mais non, attends. Non, parfait. Et là, une 4-3, Dragon Fury 4-3. Ça va bien l'emmerder. Ça va bien l'emmerder. Qu'est-ce qu'il a en main pour contrer ça? Ok, voilà, il me provoque. 3-5. Il va falloir la passer. Est-ce que je la silence? Si je la silence, on va quand même aller la défoncer. 3. Je peux mettre. J'ai envie de la dégager en fait. J'ai envie de la dégager. Parce que si je fais ça. Ouais, on va faire ça. On va faire défenseur d'Argus. On va enlever ça. Et voilà. Une 5-1. Toujours mon petit pouvoir de dragon féerique, ça va commencer à l'emmerder. J'ai une 4-3. Là j'ai un board pas mal, là j'ai un bon petit board, j'ai toujours un petit poison mortel et un Chris pour vider la table au cas où. Donc tout se passe plutôt pas mal pour l'instant, pour cette première partie. Une lame nuit qui n'aura aucune influence. 3 points de dégâts, c'est pas ça qui va changer grand chose pour le moment. Bien joué. Oh merci, une attaque pernicieuse. Donc là pour l'instant ça m'aide pas beaucoup. Est-ce que je clean? Ouais, je clean, hein. ça sert à rien, regardez. Je vais cleaner, je vais faire ça. Je vais remettre le provoque.
Bon, ça s'annonce bien là. Ça s'annonce plutôt bien. On est pas mal. Malfurion, on est pas mal. J'adore ces petits éléments de décor, moi, de Hearthstone. Alors, griffe. Ok, il va aller vider celle-là. Et non, tu peux pas, Coco. Pouvoir faire. Pouvoir héroïque. Encore 4. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il fout? Le mec, il va chercher avec double griffe. Waouh! Oh, ça fait cher, ça fait cher, ça fait cher. J'ai fait un petit combo. Hop. 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 Et ça, c'est pour tout à l'heure. Bon, là, clairement, je pense que c'est terminé. À moins qu'il ait un gros balayage. Ouais, bah si, il peut toujours sortir le balayage. Mais encore. Ça fera pas la diff parce que j'ai de quoi finir derrière. Quoique j'ai ma lame. Ouais, il provoque, mais regardez ce que j'ai en main. Bam! Bon, il sait qu'il a perdu. Ouais, c'est bien joué. Ah, il donne tout sur le dernier là. Il donne tout sur le dernier, mais ça ne suffira pas. Bon, ça commence bien. Petite première partie, petite win. Bon, c'était pas un gros deck en face, on soit d'accord. Allez, j'ai m'amusé, je vais prendre un deck what the fuck. Je vais prendre Gr. Et Gr. Pour vous faire la petite anecdote, c'est un deck. Et attendez, mais je suis sûr que c'est froid encore. Et donc Gr, donc c'est mon deck démoniste et il sert à rien. Il sert à rien ce deck, je l'ai fait à la rage, j'ai pris des cartes qui me paraissaient marrantes et qui me paraissaient fun à jouer. Donc on va voir ce que ça donne, j'ai pas grand chose, c'est quoi? C'est un deck axé, on va dire plutôt contrôle. Et contre prêtre, je vais en chier ma gueule. Concrètement, là. Ouais, ok. Ok, bon, vas-y, je vais partir avec ça, on va se marrer. Je vais partir avec ça, j'avais Suicube. Premier tour. On va voir ce que ça donne. En espérant perdre ça. Ça peut être bien de perdre ça. Parce que ça, je l'utilise, mais qu'en cas de. D'extrême nécessité, on va dire, et de. Voilà, c'est assez rare quand même que je me chope ça. Enfin, que j'utilise cette carte plutôt. On va faire ça, on va faire pièce, Suicube, ou même le match de Dalaran. Oh yes! Le match de Dalaran qui il est faiblard quand même. 1-4. Ah, j'ai bien vu, je peux pas vous montrer. Voilà, c'est toujours sympa. Je l'ai dit tout à l'heure sur la map, j'adore les petits éléments. Les petits éléments de la map là, c'est vraiment stylé. Attendez, j'ai même pas dit bonjour. Donc il y a ça là, les petites plantes, enfin les petits légumes, le petit gong ou même ça. Toujours sympa, voilà. Boum. Il soigne. Ok. On pioche une carte chaque fois que son vitesse est soignée. Et oui, ça ne marche pas. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Toi déjà, tu vas dégager, clairement. Et je vais connexionner. Voilà. À 2 points de dégâts, bah si, il a toujours ses mots et tout, là, c'est assez chiant. Ah, il prend Charles en plus. Moi, c'est bien joué, il me défonce mes figures. Pas de soucis là-dessus. J'ai ma charge, je vais la mettre, elle coûte rien. Hop. J'ai pas grand chose d'autre à faire pour le moment. J'ai de quoi gérer ce qui est en face si besoin. J'ai un drain de vie, j'ai un voile de la mort. J'ai mes flammes infernales au cas où. J'ai bien fait démoniaque, ok. Ok, un golem. Alors là j'ai deux. Oh, ça c'est bien, ça c'est pour les prochains tours, ça va être bien. Est-ce que je fais du dégât ou. Ça me fait chier en fait de perdre 3.
faire du dégât. Comme ça, s'il veut me la gérer, moi j'aurai de quoi le gérer derrière. Je vais connexionner. Je vais connexionner. Et je vais en rester là. S'il veut trade, il perd son golem et je gérerai le golem qui. Le golem endommagé là. Ah, il va faire sa combo. Il va faire sa combo. C'est nul. Oh, c'est pas génial ce qu'il a fait là. C'est pas génial. Alors voyons voir. Alors là, bon, clairement là faut que je le gère, hein, on est d'accord. Donc si je fais un 2 2 2 4, attendez, 3 4 5, j'ai que 5 là. J'ai que 5 là. Donc clairement je vais faire ça, je vais me prendre 6 points de dégâts. Mais c'est pas grave. Lui va mourir. Et j'ai assez de cartes pour l'instant. C'est vraiment un pauvre tour de merde. Mais il me fera 6 points de dégâts. Je descends à 19. 19, 24, ça va. Ah, ça c'est chiant ça par contre. Ça c'est chiant parce qu'il a forcément eu du contrôle. J'ai pas mal de cartes de contrôle. Voilà, 6 points de dégâts. Il va soigner encore, j'imagine. Il va mourir. Il va invoquer. Sont de 1 et toi on va jouer, ok, et ça c'est bien, ça fait un point de dégâts à tous les adversaires. Ok, donc toi hop, déjà on dégage, ça c'est bien aussi. Il me reste 5 3, ça c'est pas mal. Rentre tout là, non c'est ça, ça 2 points de vie au héros, voilà. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. On est remonté 21-24. J'ai géré le board. Il a 7 points d'action. Tout à fait jouable. 1, ok. Tout régale à sa vie, ok. Et ça. Ça c'est beaucoup plus chiant déjà. Mais ça, ça va se faire. Regardez. Hop. On va faire ça. 5, il va vouloir me le trade tout ça. Ok, ok, ok. Donc le prochain tour il est mort, mais ça c'est pas mal parce que j'ai mon infernal du froid qui va arriver. Ouais, il veut le trade direct. Il prend pas et il le tue direct. Ok. Mais lui il est mort. Et je vais mettre ça. Ok, il en met un deuxième. C'est honnête. Et il va pas le tuer. Et ça c'est plus chiant. Ah. On va lui dire bien joué parce que ça c'est vraiment un beau tour ce qu'il vient de faire. Je peux faire 3 à tout le monde. On va le lâcher. On va le lâcher. On va le lâcher. Je vais mettre ça. Chaque fois que vous jouez une carte, gagne plus ça. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre en premier celui-là, c'est pas grave. Et je vais mettre celui-ci. On va la jouer comme ça. Il a que 3 cartes en main. Il n'y a plus grand chose à faire. Pas de problème là. Ça peut être un beau tour. Il trade. Il a que 2 points. Ok, il soigne. 4 points de dégâts serviteur. Ah, il a chopé un trade bomb. Voilà. Il clean bien le board, hein, ce salaud. Il me clean bien le board. Bon, je peux le tuer, donc ça c'est bien. 5-9, ok, j'ai assez. Oh non, 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 oh, j'ai fait une connerie. Là voilà, il y a un misplay là. Oui. Quoi ? Inflige 2 points de dégâts. Je ne peux pas faire ça. Je peux faire ça. Bon, c'est une 4-4. Je me suis chié, j'aurais pu en faire une 4-5. J'ai fait un petit misplay, j'ai voulu jouer trop vite. C'est pas bien grave. Il a 3 cartes toujours. J'ai toujours mon infernal de l'effroi en main. Mais lui aussi, il va certainement avoir quelques grosses créatures qui vont sortir. Il a déjà utilisé sa combo en fait, c'est ça qui me... Oh, pas tout à fait, il lui est resté un feu intérieur, une 7-7. Mais là encore une fois, je vais connexionner. Regardez, ça va pas être un problème. Une 4-4, un serviteur allié, puis il meurt. Je vais la gérer, je vais mettre 6-7, ok. Mon infernal de l'effroi.
je vais le gérer. Et je vais même me mettre une petite provoque. Donc là on arrive dans le very late game, il a deux cartes en main, j'en ai une. Sauf moi, tous les tours je peux piocher et pas lui. Alors là il a quand même 20 points de vie. Il a quand même un gros orc. Il a plus de cartes. Là il mise tout, ok. Soyons malins. Soyons plus malins que lui. Ok, je vais connexionner. Ah ça c'est bien, ça va le faire chier ça. Ça c'est bien ça. Alors attends. 3 points de dégâts à tout le monde. Non. Non, 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 je ferai pas ça. Je ferai pas ça. Là, est-ce que je vaux kill? Là, lui, il va m'attaquer, lui. Ah putain. C'est un peu un dilemme là. C'est un peu un dilemme. Je ne ferai pas ça. Alors toi tu m'attaques à 1. Toi j'ai. Là. Moi je vais aller au kill. Je vais aller au kill, je suis un mec qui va au kill. Ça me coûte rien de le mettre. Ah si, ça me coûte. Ah si, là encore un autre misplay. J'aurais pas dû mettre lui parce que le diablotin de sang en fait me donne un PV à un serviteur allié aléatoire à la fin de mon tour. Et si je le mets. Ok. Bon, bah, ça enlève. Ça enlève là. Ça enlève la question puisqu'il a tué mon diablotin. Ok. Ok. Ah non, il va au kill. Il va au kill. J'ai 6 PV. Ok, 6 PV. J'ai un autre diablotin. Alors, réfléchissons. Là, il faut que je clean, forcément. 3-3, ok, je peux cleaner. Mais il va falloir que je fasse ça. Que je fasse ça. Et que je mette mon diablotin de sang. On va essayer ça comme ça. 3 PV à 15 PV, une carte chacun, ça va se jouer au top deck maintenant à chaque fois. Au top deck, il peut soigner chaque tour, ça c'est vraiment embêtant. Ok, bon bah c'est toujours ça de pris, hein. Hop. Hop, hop. 3-2, voilà. Elle va gagner un peu de points de vie à chaque tour, mais... Ça suffira pas clairement. Ah voilà, il a tiré l'archimage, donc là, je pense. Inflige 3 points de dégâts, châtiment sacré. Ok. Bon, il aurait pu le faire le tour d'avant, je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Donc bien joué à lui. Ok. McPhee King. C'est très moche comment il écrit King avec un H. Mais bon. Voilà, bon, c'était le deck inutile de la soirée. Bon. Est-ce qu'on s'en arrête là ou on s'en refait une dernière? Sianers. Allez, je vais retenter avec mon voleur parce que j'aime bien le voleur. Ou non, avec le chaman. Tiens, on va se faire un deck avec le chaman. Là aussi, c'est vraiment un deck purement pépère. Je me suis pas pris la tête. J'ai mis un peu toutes les cartes conseillées du chaman, vous voyez. Vu que j'en ai pas des masses. Donc, on va voir ce que ça donne. Pour ceux qui se demandent, la musique qui tourne en fond, je vais vous la montrer. Parce qu'il est hop. C'est un mix qui s'appelle Peaceful Solitude que vous pourrez retrouver sur YouTube tout simplement. Moi je l'ai récupéré de YouTube. Voilà, il dure une heure et quelques. Super sympa, un truc un peu d'ambiance et ça fait du bien. Vous avez pas idée. Ok, Stalker. Voyons voir. Ah, et quand on commence. Premier. Bon, j'ai mon diable de poussière, c'est toujours ça de prix, ça je garde. Contre-voleur. Est-ce que je le mets direct ou pas? Sachant qu'il a la pièce, il peut me le dégommer direct. C'est-à-dire qu'il va devoir... Il va devoir pièce maîtrise des... Enfin, pièce pouvoir héroïque pour le tuer. Allez. Moi, je joue agressif. Je suis un mec qui joue agressif. Je vais dire bonjour quand même. Je suis un mec qui joue agressif, on va voir ce que ça donne. Eh ouais, il pièce... Pièce pouvoir, même pas. Ah, salaud, il met une provoque. Tout aussi bien, tu me diras. Bon, là je peux rien faire forcément. Est-ce que je lui pète sa provoque? Sachant que lui il en a pété derrière. Ou du moins il va. Non, est-ce que je lui pète sa provoque? Il sert à rien. Allez, boum. Inutile. Voilà. Je lui fais péter sa pièce. C'est cool, non? Et un crocirlisque des rivières. C'est ça un crocirlisque. Alors là, ce qui peut être intéressant, c'est faire ça et ça. Donc là. On va commencer
Ok, c'est le dégât des sorts. J'ai sorti le totem des dégâts des sorts. Qui pour l'instant ne va pas m'être très utile. Ok, attaque. Un combo peut-être. Même pas, Chris. Ok, il tue mon gnome lépreux. Voilà, si j'étais lui, j'éviterais le board. Voilà. Donc là, il garde le board clean. Et ça. Ça, c'est chiant ça. Ce que je vais faire, c'est ça, ça. Voilà, putain, je ressors le même totem, j'ai vraiment pas de bol, ça m'aurait bien arrangé d'avoir le totem taunt, ça m'aurait vraiment bien arrangé, mais c'est pas grave, on va faire avec. Ok, double attaque pernicieuse utilisée, en combo avec le mélange des fias, le classique. Toi, il va certainement venir trade, même pas, il va au kill. Ok, il va au kill, pourquoi pas. J'ai 3. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller choper là et d'aller choper là. Puis je mettrai un totem. Ouais, je vais aller faire ça et ça. 0-1 avec provocation. Est-ce que je mets un totem ou je mets. Non, je vais mettre mon aventurier. Il va venir me le trade, je pense. J'essaie de le maintenir un peu en point de vie parce que s'il commence à prendre l'avantage. Je vais vite me retrouver à la ramasse. Voilà, il le trade clairement ici. Et ici. Et là, ça va sortir. Même pas la maîtresse des dagues. Un petit coup de dague. Pour plaisir au passage. Boum. Et ouais. Un petit poison, moins 3. Double poison. Putain, il est chaud là. Putain, il veut finir, salopard. Alors, ce que je vais faire. Regardez. Tac, tac. Double provoque. Je vais pas me gêner. Viens le chercher, Coco. Mais là, il a 5 points de vie. Et s'il veut m'attaquer, il va être obligé de passer par là. Bon, il peut clean les deux, hein. Soyons clairs, il peut clean les deux. Mais au moins, son coup de dague, il partira dans le Yeti. Il renvoie quelqu'un dans la main. Il renvoie le Yeti, forcément. L'assommer. Il clean. Un gros coup de dague dans mes dents. 12-25, ok. Ok, ok, ok. Donc là... Oh, va falloir la jouer finement. Je fais totem Drake, ça c'est pas mal. Il a plus de poison donc il peut pas me le trade lui. Je vais en rester là, je vais pas. Attends, je vais pas. Non, je garde mon maléfice, je vais pas le maléfice lui quand même. Ce serait... Je suis à 12-25 là, je peux tenir encore un ou deux tours. Et là, voilà. Il trade. Il va au kill. Ça se joue, ok, 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 ok. Mais là, maléfice, donc toi, tu déconnes, tu deviens une de deux. Je vais mettre mon Yeti, je vais trade. Il a sa dague et son meneur, donc il a 3 points de dégâts sur la table. Pas simple pour l'instant tout ça. Ah, l'assassiné. Il y en a peut-être plusieurs. Moi j'en mets qu'un dans mon deck pour l'instant. Mais... Ok. Ok, ok, ok. Là on va blinder, il a 2 cartes en main. Regardez, on va blinder, on va mettre un totem, un Drake, boum. Un défenseur d'Argus. Qui viennent me chercher maintenant? Qui viennent me chercher maintenant? J'ai plus de dégâts que lui. À moins qu'il ait du contrôle. Voilà, il a un champion hurlevent. Ok, j'ai un maléfice. Donc là, clairement, c'est moi qui suis. Donc là, clairement, voilà, ça c'est bien. J'ai un maléfice. Donc ça, c'est parfait. Je vais mettre un. Toi, tu fais ça. Fury des vents, est-ce que je le Fury des vents? Ça fait 8 points de dégâts, ça va vraiment le mettre mal. Boum.
Et bon. Ok. Ça y est, on reprend un peu la main là. On s'en est bien sorti. Il a eu un ou deux tours un peu mou. J'ai un Yeti encore en main. J'ai la possibilité de mettre un totem chaque tour. Eh oui, il va assassiner encore. Il y en a un deuxième. Je pensais pas qu'il en avait deux, ça va. Et il va aller trade. Ouf, il est très dur. Ah mais oui, mais attends, il y en a trois. Ok. Ok, un jongleur de couteau. Donc là, ça c'est pas mal. Je vais mettre un jongleur de couteau. Je vais all-in, clairement. Il va prendre un point de dégâts. Deux points de dégâts. Trois points de dégâts. Et deux encore. On est à 10-10, j'ai 5 cartes sur la table. Bon, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 points de dégâts sur la table. Bon, là, il est obligé de me trade quelque chose. J'ai un taunt, donc il va me le trade. Forcément. Voilà. S'il a pas de taunt. Ah, mais ça fait pas la diff, ça. Ça fait pas du tout la diff. Et ça, normalement, messieurs, c'est la game. Puisque je vais furie des vents, mon Yeti. Bien joué. Boum. 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 Ouh. Eh ben, on a eu un peu chaud, mais en fin de compte, on a réussi à s'en sortir. Belle partie de Stalker. Belle partie. Yes, 3 victoires. Dior, c'est toujours ça de prix. Belle partie. Gagner 5 matchs avec Mage ou Shaman. Ah, bah c'est cool, on a gagné un match avec Shaman. Parfait. Bon bah les gens, c'était pas mal ça. Trois petites parties, deux wins. Propre, moi je dis. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Je sais pas trop quand. Hop, on va faire ça. Oh bah, OBS est là. Je vous dis à la prochaine, je sais pas trop quand. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.